Bon, nous y voilà, le dernier, NFL Quarterback Club 2000 cette fois-ci. Donc, dernier jeu de foot américain de la série des 3, Expansion Pack Detected. Et donc, là, j'ai eu le droit à plusieurs avis critiques qui visent à dire que ce jeu est moins bien. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer tout ça. Allez, en tout cas, je vous laisse la petite intro. Loading, please wait. Alors, ça m'a fait halluciner pour un jeu de 64 en soirée sur PlayStation. Allez, petite intro. Ouais, mais non, en fait. Bon, moi, le jeu, je l'ai trouvé moins bien. Parce que. Press start. Alors, déjà, le menu. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce menu, là? C'est horrible, c'est moche. Oh, putain, les gars, qui c'est qui travaille au graphique? Bon, exhibition, new season, new playoff, historic sims, custom sim, etc. Practice, machin. Là, mais le menu est dégueulasse, hein. Voilà. Quarter time, bon bah vas-y 5 minutes si tu veux, on s'en fout, ça va pas durer longtemps le carnage. Voilà, putain, c'est terne, c'est austère. Oh là là, c'est horrible. Et alors, le classement des équipes là, mais ça va, on n'est pas des bestioles en mathématiques, regardez-moi cette saleté. Ils vous mettent à chaque fois le rang par rapport à la statistique, par rapport à la NFL de l'équipe. C'est-à-dire que par exemple, là je prends Atlanta. Et eh ben en passe, ils sont situés quatrième. Ok, très bien. J'aurais préféré des barres. Ça parle plus les barres par rapport aux autres quoi. Parce que si on regarde Denver, cinquième, deuxième, septième, troisième, on se rend bien compte que c'est pas mal. En passe défense, 26e, dixième. Ouais, ok, mais sur le global, ça donne quoi Donc voilà, en gros là, voilà, en fait c'est sur le papier quoi. Par exemple là, si je prends eux là, ils sont dégueulasses, 29e, 15e, 26e. Ils sont premiers en run défense par contre, on sait pas trop pourquoi. Ça là-dessus, ils maîtrisent quoi. C'est un peu bizarre de classer les équipes avec des points, comment dire, 1 sur 30 quoi. Des barres auraient été tellement plus explicites. Allez vous faire foutre. Allez, Atlanta vs Miami. Moi je trouve ça horrible. Perso, ça parle pas du tout. Sinon, bah, le jeu contient à peu près tout ce qu'il y a de besoin dans un jeu de foot américain. Sinon, j'ai trouvé un espèce de recul horrible. C'est-à-dire que, bon là ça va encore par rapport aux stratégies, pourquoi pas. Mais moi j'ai trouvé le jeu moins bien fait, alors que sur la presse il annonce mieux fait. Enfin, moi je le trouve un peu moins bien fait là, sincèrement. Je sais pas ce que vous en pensez. Par rapport au 99, même le 98 je le trouve au-dessus. Je trouve ça un peu gras, sachant que ça détecte l'expansion pack. Et en plus de ça, j'ai du mal à gérer l'action, ils ont changé les boutons, putain voilà, c'est bravo. J'ai voulu sprinter, le gars il a taclé quoi. Voilà, les boutons ont été changés entre le 98, 99 et le 2000, bravo. Entre chaque FIFA, c'est toujours le même bouton pour tirer, hein, faut pas déconner quoi. Donc moi je suis un peu déçu là-dessus, par rapport aux équipes, par rapport au menu, par rapport à l'animation et ouais et au graphique. Alors l'animation, bah j'ai du mal à faire ce que je veux faire. Je suis assez déçu, ouais. Il aura pas une sale note, hein, c'est juste que ben je le trouve moins bien fait. Voilà, là j'ai glissé, je voulais pas glisser, putain, mais c'est dingue ça. Je voulais courir, il n'y avait personne! Putain! Donc, du coup, je me suis paumé dans les boutons. Pourtant, j'ai cherché tout à l'heure. Et j'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste que ça m'a saoulé. Je suis un peu déçu. Pour pas dire qu'en fait, je suis très déçu. J'avais le même phénomène qu'avec ISS 2000. Tout le monde dit que c'était de la merde. En fait, il était pas si mal. Et là, ben. Voilà. Là, j'aimerais courir! Cours! Putain! Ah! Pourtant, j'appuie sur tous les boutons et il fait rien. Fais chier. Mon mec est mort. Bon, on va essayer autre chose. Avant que je pète un câble. Shotgun! Trap draw. Tout à l'heure, ça a marché sur le jeu, ça.
Il est censé faire une passe sur sa droite. S'il veut bien. Fais ta passe, putain! Oh, ce carnage! Je contrôle rien du tout. Je sais pas si c'est parce que je suis mauvais, je pense qu'il y a quand même une manière de jouer. Il a l'air pas trop trop mal, il est pas trop trop moche, mais je le trouve en dessous, putain, il est chiant. Je suis super dégoûté en fait. Donc ouais, le phénomène ISS 2000, tout le monde disait que c'était nul, en fait il était aussi bien que le 98, voire mieux, puisqu'il y avait plus de contenu. Vas-y, tu sais quoi, vas-y, fais ce que tu veux là avec ta balle, je sais même pas où t'es. Et au final, il était pas si mal. Alors que là, ben, je voulais être sûr que le 2000 était comme la Cresse l'a critiqué. En dessous, et ouais, ben, mauvaise surprise, ouais, il est pas top du tout. Je n'arrive pas du tout à jouer en fait, pour être franc. Après, peut-être moi, hein, je mettrai quand même le moyen, il y aura quand même des points, ça va être un bon jeu de foot américain, et moi j'en chie quoi. Vas-y, vas-y, joue, fais ce que tu veux là. Pff, tous les boutons ont été changés, je comprends plus rien. Allez, oh là là. Regardez comment il court là, pourquoi il avance pas? Ah, ça me saoule. Mad Dog, allez, vas-y, on s'en fout, on verra bien ce qui se passe. Allez, une dernière petite action, histoire que je me fasse la thé. J'ai presque envie de les laisser marquer. Ouais. Je vous laisse marquer. Et il me le dit, le truc, un blitz va arriver. C'est-à-dire qu'il va essayer de passer par-dessus en force. Allez, vas-y, cours! Oh, c'est dommage. Abdoul. Bah alors, Abdoul, tu pouvais marquer. Je te laisse passer, moi. Allez, vas-y, cours. Toggle. Lui porte bien son nom, hein. Toggle. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, je contrôle rien du tout. Un tout petit coup de stick, il part à l'ouest, le gars. J'ai jamais demandé d'aller à gauche. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est horrible à contrôler. C'est horrible, je vous le dis. Et j'ai même pas demandé ça. J'en chie vraiment. Hein. Non, je suis super déçu parce que les autres étaient ouverts, accessibles. Je suis arrivé à jouer. Mais là, regardez, je fais un coup de stick. Il fait n'importe quoi, j'appuie en bas là. Oh, j'appuie encore en bas, il va en haut. Putain, c'est n'importe quoi, j'arrive vraiment pas. Putain, mais j'appuie sur droite, faut pas déconner là. Il fait n'importe quoi mon joueur. Et eux, ils font n'importe quoi aussi. Bref, ça me saoule là. J'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose, qu'on voit des points. Donc moi, je ne le vous conseille pas par rapport aux autres, puisque les autres sont clairement au-dessus. Et je vais me laisser prendre 3 points parce que c'est tout ce que je mérite. Toggle, j'arrive pas à faire quoi que ce soit. En tout cas, ils ont laissé le bouton de sélection des joueurs, c'est bien. C'est déjà ça. WS, allez, vas-y, Marc, qu'on en finisse ce carnage. Ouais, voilà, donc je suis déçu. Bravo, ouais, regardez l'arbitre, ça montre bien que c'est quand même plus moche, quoi. Je le trouve dégueulasse, moi, l'arbitre. Il est moche. Bon, allez, on passe à l'ardoise, moi, je suis un peu déçu. Allez, go. Ouais, putain, c'est incroyable, hein. Plus c'est cher et plus c'est nul. Donc là, il est un peu plus coté, celui-là, 7 euros. En loose et 20 euros complet, un peu plus rare le 2000, ouais. Intérêt scénario 2 sur 4, c'est pas le meilleur jeu tout américain de la console et c'est bien dommage. Parce que plus le temps avance et plus ça devenait nul, quoi. C'est vraiment con, quoi. Graphiquement 2,5 sur 4, il est plus moche. Niveau gameplay 2 sur 4, oh, ce menu, mais c'était horrible, quoi. Niveau bande son 2,5 sur 4, parce que ouais, il y a toujours quelques musiques sympas, une super intro et tout. Durée de vie 2 sur 4, pff, 11 sur 20, voilà. Il est quand même largement en dessous, c'est vraiment dommage, quoi. Je sais pas quoi dire, moi je trouve que des fois les séries de sport ils font vraiment de la merde quoi. Ils ont toutes les cartes en main, ils ont plus qu'à améliorer, et je sais pas, ils font un truc qui tient pas la route quoi. Enfin bref, celui-là je ne vous conseille pas. Allez, à bientôt les enfants!